الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو 19 من شهر ربيع الأول عام 1436 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم والدرس هو 42 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 10 janvier 2015 et nous continuons à étudier la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. Ceci est le 42e cours. À travers le dernier cours, nous avons terminé la lecture de tout ce qui est en relation avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son décès. On a aussi vu que c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui a été désigné gouverneur et successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur du livre rahimahullah passe à la deuxième partie, celle qui concerne les caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a commencé en citant certains éléments parmi lesquels ceux sur lesquels on s'est arrêté qui sont en rapport avec les signes de la prophétie. Ce sont des choses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a montré la véracité de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, tout d'abord, ce sont des choses extraordinaires. Et Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a cité que parmi ces signes, après avoir cité le Coran, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit né et qu'il grandit orphelin, qu'il est illettré, alayhi salatu wassalam. Personne ne connaissait les informations qu'il a apportées, sallallahu alayhi wassalam. Puis lorsque la quarantaine arrive, il se met à donner des informations détaillées concernant les nations passées et témoignait de sa véracité ceux qui avaient eu quelques connaissances des livres précédents. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit: bal aktharu al-kutub al-munazzala qablahu qad dakhalaha at-tahrif wa at-tabdil wa yaji'u ma anzala Allah 'alayhi mubayyinan li dhalika muhaiminan 'alayhi dallan 'ala al-haqq minhu wa huwa ma'a dhalika fi ghayati as-sidqi wal-amana والسمت الذي لم يرى أولو الألباب مثله صلى الله عليه وسلم والعبادة لله والخشوع له والذل والدعاء إليه والصبر على أذى من خالفه واحتماله وزهده في الدنيا وأخلاقه السنية الشريفة من الكرم والشجاعة والحياء والبر والصلة صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فيه. Ibn Kathir رحمه الله تعالى continue à montrer ce qui sont des choses qui sont des signes montrant sa prophétie. D'ailleurs, la plupart des écritures révélées avant l'islam furent falsifiées et modifiées avant le Coran, révélé par Allah à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne viennent jeter la lumière sur ces falsifications et confirmer ce qui dans ces écritures était authentique. Tout ceci prouve donc l'authenticité du Coran. Parmi ce qui montre l'authenticité du Coran, ce qui a été cité par l'auteur rahimahullah ta'ala, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver dans un peuple et pour les appeler à l'islam, il va aussi leur raconter ce qui s'est passé à travers les générations précédentes en apportant des détails précises et des informations bien détaillées.
que la plupart des gens soit avaient oublié ou bien ne connaissaient pas. Il restait quelques personnes parmi ceux qui lisaient les livres anciens qui voyaient la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la conformité de ses propos avec leurs livres. Et plus encore, ils voyaient même que ce qui venait comme information de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam était bien plus détaillé que les livres précédents qui, eux, ont été falsifiés. D'ailleurs, c'est pour cela que nous, on se contente de lire le Coran et on ne lit pas d'autres livres. Car les livres qui ont été révélés avant le Coran sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où ils sont révélés au prophète qui reçoit ce livre. L'évangile est révélé à Isa, la Torah est révélée à Moussa. Au moment où ces livres sont révélés, nous pouvons affirmer du début à la fin que ces livres sont la parole d'Allah azza wa jal. Mais le temps est passé, la main de l'homme a touché à ces livres et ils ont été falsifiés et altérés. Donc, il y a du vrai et du faux. Quant au faux qui se trouve dans ces livres, le Coran qui a été révélé par Allah Azza wa Jal et qui va abroger ces livres, nous atteste de cette véracité. Donc nous la trouvons dans le Coran. Nous n'avons pas besoin de la lire dans ces autres livres. Quant au... je parlais du faux, n'est-ce pas? Quant au faux qui se trouve dans ces livres, le Coran l'a démenti. Et quant au vrai qui s'y trouve, le Coran l'a affirmé. Donc le Coran a ce qui peut rester de vrai dans ses livres et plus. Nous n'avons donc pas besoin de lire autre que le Coran. Et c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aperçu Omar radiallahu anhu qui avait à la main des feuillets, des écritures, des livres anciens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et lui a fait la remarque en lui disant que si Moussa était vivant, il n'aurait pu que me suivre. C'est-à-dire même Moussa à qui la Torah a été révélée, s'il était vivant comme moi, Mohammed, je suis vivant, il n'aurait plus suivi la Torah, il m'aurait suivi moi et le Coran. Et donc le musulman, il lit le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce livre éclaircit ce qui s'est passé avant et donne des détails plus précis encore que ceux qui sont trouvés ou qui peuvent être trouvés dans les livres anciens. Ibn Kathir dit, tout ceci prouve donc l'authenticité du Coran. En outre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut le plus véridique et le plus loyal des hommes. Son comportement fut sans pareil, voué entièrement à l'adoration d'Allah, humble devant lui, soumis à son Seigneur, sans cesse tourné vers l'invocation de son Seigneur, patient face au mal de ses opposants, détaché de ce monde. Il possédait toutes les qualités, générosité, bravoure, pudeur, vertu, respect des liens de sang, ainsi que bien d'autres qualités et vertus qui n'ont jamais été et ne seront jamais réunies en un seul homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toutes ces qualités que vous venez d'entendre et bien plus encore. D'ailleurs, lui-même a dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parachever les nobles caractères, ou bien les beaux ou les bons comportements. Et ceci est une preuve de la réalité de sa prophétie. Car ici, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, veut nous dire comment se fait-il qu'un homme va être issu d'un peuple tel que celui de Quraysh. Il va grandir avec eux. Ils vont tous témoigner qu'il est véridique, qu'il est honnête, qu'il est connu pour son honnêteté, sa loyauté, son intégrité, sa dignité, sa pudeur et toutes ses bonnes qualités. Et voilà qu'un jour, lorsqu'il arrive à l'âge de 40 ans, il se met à raconter des mensonges ou bien à forger des mensonges et à inventer des choses infondées dans lesquelles il dit qu'il est un messager d'Allah et qu'il a une mission à remplir. Ceci est impossible. Donc ceci aurait été amplement suffisant pour Quraysh en réalité. Mais Allah guide qui il veut et il égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. فَبِالْعَقْلِ يُدْرَكُ أَنَّ هَذَا يَسْتَحِيلُ
أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين الذي أخبر هو بما لديه من أليم العقاب وما لمن كذب عليه وافترى هذا لا يصدر إلا من شر عباد الله وأجرائهم وأخبثهم. La raison ne peut donc admettre que cet homme puisse inventer le plus petit mensonge au sujet du plus simple des hommes. Comment un homme de cette valeur aurait-il donc pu inventer un mensonge et l'attribuer à Allah, le Seigneur des mondes, alors même qu'il nous informe qu'il a menacé d'un douloureux châtiment ceux qui oseraient mentir à son sujet? Un tel comportement, en vérité, ne peut provenir que de la plus vile et de la plus abjecte des créatures d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ces caractères qui font que la raison saine ne peut en aucun cas accepter que cet homme qui a été connu pour ce comportement, pour cette véracité, pour cette loyauté, pour son honnêteté et toutes ses caractéristiques, comment cet homme peut arriver maintenant et mentir? Non seulement il va mentir, mais en plus il va mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce possible? Et Quraysh, c'est un peuple de gens qui croient en l'existence d'Allah azza wa jal, même s'ils sont polythéistes. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas que de les appeler à Allah, il leur informe de la lourdeur et la douleur du châtiment d'Allah azza wa jal. Comment quelqu'un qui est connu pour cette honnêteté, pour la foi qu'il avait en Allah azza wa jal, peut arriver et non seulement leur mentir sur Allah alors que lui-même sait ce qu'Allah a promis aux menteurs comme châtiment? Donc on voit que ces gens-là n'ont pas raisonné. Être intelligent ne veut pas dire être doué de raison. Être doué de raison, seuls les croyants sont doués de raison. Et seuls les doués de raison tirent profit du rappel. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Az-Zumar, les groupes, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ, seuls les doués de raison se rappellent. Ils entendent le rappel, les gens entendent le rappel, mais il y a les cœurs de ceux qui sont doués de raison. Ils absorbent ce rappel comme l'éponge absorbe l'eau. Et il y a les cœurs de ceux qui ont perdu la raison. Et ceux qui ont perdu la raison, ce sont les kuffars, les mécréants en premier lieu. Et ensuite, ceux qui désobéissent à Allah, ils perdent en raisonnement, en fonction du péché qu'ils ont. Donc, cela nous montre que ces gens-là n'avaient pas la raison saine. Ceci à cause de leur éloignement d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa mithlu hadha لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار. ابن كثير رحمه الله تعالى continue et dit: ceux-ci ne pouvaient pas même échapper aux enfants fréquentant encore les bancs de l'école. Comment auraient-ils pu échapper à des hommes doués de raison, qui ont donc sacrifié leur vie et leurs biens, ont quitté leurs enfants, leur patrie et leur famille par amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée, tant que les nuits succéderont au jour. Donc, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue en disant que même les enfants, bien sûr ceux qui sont disposés à accepter la vérité, même les enfants peuvent le reconnaître, c'est-à-dire tellement que c'est clair. Même l'enfant qui peut-être est encore faible, est encore jeune, n'a pas encore d'expérience, ces choses sont tellement claires que lui peut les reconnaître et peut reconnaître la véracité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ومن ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القذة بالقذة مما يطول استقصاؤه هاهنا. Ensuite, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, va commencer à citer certains parmi les signes qui ont été évoqués dans le Coran, mais aussi dans la Sunna, et qui sont en relation avec ce que donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme information concernant des choses invisibles et qui sont apparues comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait décrites. Autre preuve de l'authenticité de sa mission prophétique, les événements à venir, et donc inconnus à son époque, qu'il a annoncés à travers le sublime Coran, ou dans des hadiths authentiques, événements qui se sont ensuite déroulés au détail près, conformément à ses annonces, mais qu'il serait trop long de tous mentionner ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, a donné des informations sur des choses qui allaient venir dans le futur. Par exemple, souvenez-vous la bataille de Khaybar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La u'atiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. » Je vais donner l'étendard demain à un homme qui est aimé d'Allah et de son messager et qui aime Allah et son messager. « Yaftahu Allah ala yadayhi » Allah lui accordera la victoire. Et le lendemain, il donne l'étendard à Ali, radiyallahu anhu, et Allah azza wa jal lui donne la victoire. Aussi, lorsqu'il a dit « Hadihi ghanimatul muslimin radan insha'Allah » Ceci sera le butin des musulmans demain, si Allah le veut. Et le lendemain, tout ce qu'il a cité est devenu le butin. Il donne des informations sur des choses qui vont se passer. Il donne des informations sur des choses révolues. Elles se sont déjà déroulées. Et il donne même des informations sur des choses qui se déroulent au moment où lui, il parle à ses compagnons en étant absent et en n'étant pas avec les gens avec lesquels la scène se déroule. Comme par exemple la bataille de Mu'ta. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné les trois gouverneurs, ou bien les trois commandants de guerre. Le premier c'est Zayd ibn Haritha, ensuite Ja'far ibn Abi Talib, ensuite Abdullah ibn Rawaha, ils vont tous mourir. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu va prendre la relève. Le prophète leur donne les informations, il est à Médine et eux sont à Mu'ta. Ils sont dans la région du Cham, en train de combattre. Le prophète est à plus de 500 km, voire plus encore, et il donne les informations, sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ الْبَاهِرَةِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ مِنْ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ وذلك أن المشركين سألوه آية وكان ذلك ليلة فأشار إلى القمر فصار فرقتين. Autre preuve de l'authenticité de sa mission prophétique, les miracles extraordinaires qu'Allah lui a fait réaliser. Ainsi, comme Allah Tout-Puissant nous en informe dans le Coran, la lune s'est fendue à son époque. En effet, les polythéistes lui avaient demandé un signe. Et ce, de nuit. Il leur indiqua alors la lune qui était fendue en deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit les associateurs. Ils lui disent, si tu es véritablement un prophète, si tes paroles sont réelles et véridiques, montre-nous un signe. Et ils étaient en pleine nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde la lune, il lève la main, et il fait un signe avec la main, comme si avec sa main il découpait la lune. Et devant tout le monde, la lune se découpe en deux, elle se fend. Et la moitié se sépare de l'autre moitié, devant eux.
si bien qu'on apercevait la montagne de Hira, où il allait s'abriter avant sa prophétie, entre les deux morceaux de lune. Alayhi salatu wa salam. Et le hadith, il est connu. Eux ont demandé un signe. Ils ont prétendu qu'ils allaient croire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré ce signe qu'il a eu par la permission et la puissance d'Allah azza wa jal. Ils ont regardé le signe. Et pensez-vous qu'ils ont cru? Du moins, pensez-vous qu'ils se sont soumis? Car Allah azza wa jal cite que les kuffars, en vérité, ils croient. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Il dit dans sourate An-Naml, au sujet des mécréants, ils ont mécru, c'est-à-dire en nos signes, alors que dans leur fort intérieur, ils avaient la certitude, ils y croyaient. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, continue dans la même histoire. فَسَأَلُوا مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَحْيَاءِ لِأَلَّا يَكُونَ قَدْ سَحَرَهُمْ فَأَخْبَرُوهُمْ بِمِثْلِ مَا رَأَوْا وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Les Mécois interrogèrent les tribus arabes vivant autour d'eux qui confirmèrent leur vision. Pourquoi est-ce que les Mécois interrogèrent les tribus arabes? Car ils se sont dit, Mohammed nous a ensorcelés. Alors, il ne peut pas ensorceler tout le monde. Et ce signe se voit de loin puisqu'il est au ciel. Allons donc voir les gens parmi ceux des tribus arabes qui habitent dans des endroits éloignés et allons leur demander est-ce qu'eux ont vu, car eux n'ont pas été ensorcelés. Donc ils sont allés voir les tribus arabes et leur ont dit, avez-vous vu quelque chose? Ces gens-là ont dit oui, nous avons vu la lune se fendre en deux, les deux moitiés se séparer. Puis ils sont revenus et n'ont pas cru. Et Allah Azza wa Jal a révélé surat Al-Qamar, la lune, et dans les premiers versets, il dit « اِقَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ » L'heure se rapproche et la lune s'est fendue. « وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرُ » Et quand ils voient un signe, ils s'en détournent et disent « c'est une sorcellerie permanente. » Wal'iyadhu billah. Donc ils n'ont pas cru. Mais ceci était un signe, il était irréfutable. Et Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a évoqué cette histoire dans le tafsir de ce verset, Surat Al-Qamar. وَمِنْ ذَلِكَ مَا ظَهَرَ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ فِي أَمَاكِنَ يَطُولُ بَسْطُهَا وَتَضِيقُ مُجَلَّدَاتٌ عَدِيدَةٌ عَنْ حَصْرِهَا وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى كتابا شافيا في ذلك مقتديا بمن تقدمه في ذلك كما اقتدى به كثير ممن بعده رحمه الله تعالى. Autre preuve de l'authenticité de sa mission prophétique, la bénédiction de ses invocations qui s'est manifestée à des occasions tellement nombreuses que plusieurs volumes ne suffiraient pas à toutes les répertorier. D'ailleurs, l'érudit Abu Bakr al-Bayhaqi, qu'Allah lui fasse miséricorde, les a regroupés dans un livre exhaustif, prenant pour modèle ceux qui l'ont précédé dans cette entreprise, afin que son ouvrage ne devienne, à son tour, un modèle du genre. Effectivement, l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, a un écrit, il l'a intitulé « Dala'il al-Nubuwa », les preuves de la prophétie. Et d'autres parmi les savants ont des écrits sur les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont décrites comme étant des preuves pour la prophétie. Parmi ces signes, ce que nous cite Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, les invocations différentes qui étaient tout le temps exaucées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وسلم. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى في السخلة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي وسمى الله وحلبها فدرت عليه فشرب وسقى
أبا بكر وكذلك فعل في شاة أم معبد. Ainsi, après avoir invoqué son Seigneur le Très-Haut et avoir prononcé le nom d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mit à traire la chèvre du troupeau que gardait Ibn Mas'ud. Le lait coula alors en abondance. Il en but donc et en offrit à Abu Bakr. Et il en fit de même avec la brebis appartenant à Umm Ma'bad. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe devant Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, s'occupait du troupeau de Uqbah ibn Abi Mu'ayt, celui qui va être tué à la bataille de Badr, un des ennemis de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande: est-ce qu'il y a possibilité de boire du lait? Mais Abdullah ibn Mas'ud ne peut pas répondre favorablement, car ce troupeau ne lui appartient pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir dans ce troupeau une brebis qui ne donne pas de lait, qui est faible, peut-être malade, qui ne produit aucun lait. Il prend cette brebis, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et demande qu'il y mette une bénédiction. Allah tabaraka wa ta'ala répond favorablement à sa demande. C'est alors que le prophète va boire du lait de cette brebis qui à la base ne produit pas de lait, et il va en donner à ses compagnons radiyallahu anhum. Il va faire pareil avec une autre brebis qui était la brebis de la femme Umm Ma'bad radiyallahu ta'ala anha. ودعا للطفيل بن عمرو فصارت له آية في طرف سوطه نور يلمع يرى من بعد. Et il en fit de même. De même, il invoqua Allah en faveur de At-Tufayl ibn Amr, si bien qu'il lui accorda un signe, une lumière sur le bout de son fouet, scintillante et visible de loin. Certains savants parmi les gens du hadith ont jugé faible cette histoire. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Et le Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, a cité ce que je viens de vous dire. وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر الأنصاريين وقد خرج من عنده في ليلة ظلماء. Le même miracle se produisit avec Al-Usayd ibn al-Hudayr et Abad ibn Bishr al-Ansari, qui venaient de quitter la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam par une nuit très sombre. Une lumière les accompagna alors jusqu'à leur domicile. Cette histoire est rapportée par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sur le chapitre concernant les mérites des Ansar parmi les compagnons. Effectivement, un soir de pénombre, ils étaient dans la nuit ténébreuse, des gens sont venus, ils se sont réunis, ont eu une discussion, puis ils se sont séparés. Lorsqu'ils se sont séparés, Allah tabaraka wa ta'ala a accordé une lumière à ses deux compagnons, qui sont ceux dont vous venez d'entendre les noms. Ils se sont séparés et cette lumière les a accompagnés jusqu'à arriver à leur domicile. Et ceci est rapporté par Al-Bukhari. وَدَعَ اللَّهَ عَلَى السَّبْعَةِ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقُتِلُوا بِبَدْرٍ وَدَعَى عَلَى بْنِي أَبِي لَهَبٍ. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit par ailleurs, il invoqua Allah contre les sept hommes qui s'étaient moqués de lui alors qu'il était en prière, si bien que tous périrent lors de la bataille de Badr. Les sept hommes dont il parle, il fait allusion au hadith qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, lorsque Abdullah ibn Mas'ud dit: nous étions un jour auprès de la Kaaba en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en prière. Et Abu Jahl a dit à ses comparses: qui parmi vous va récupérer le placenta de la chamelle sacrifiée la veille et la peau et le dépose sur le dos de Mohammed alors qu'il est en prosternation? Le placenta, vous savez ce que c'est la poche, le sac qui est dans l'utérus de la mère
et dans lequel va passer le bébé pour l'homme, les 9 mois, et pour le chameau, Allahu A'lam, va passer le temps qu'il faut avant de naître. Vous savez que le placenta est plein de sang et de liquides qui sont impurs. Abu Jahl dit à ses compagnons, qui va ramasser ce placenta et le jeter sur le dos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est prosterné? Et le plus malheureux d'entre eux a dit, moi. Il s'est levé, il est allé chercher ce placenta et a attendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit prosterné. Puis, il a déposé ce placenta plein d'impureté sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en prosternation. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد. Et le prophète صلى الله عليه وسلم restait en prosternation. Il dit, وأنا واقف. Et moi j'étais debout. ليس لي منع. Je n'avais aucune force, c'est-à-dire pour pouvoir le défendre. صلى الله عليه وسلم. Puis il dit que personne ne l'a défendu, car ils étaient dans une étape qui est l'étape mécoise, où ils étaient en position de faiblesse. Et dans la religion d'Allah Azza wa Jal, il y a des pour et il y a des intérêts et des préjudices à calculer et à prendre en compte. Et donc, on est allé informer Fatima radiyallahu anha, puis Fatima est venue et c'est elle qui a enlevé du dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce placenta, puis elle s'est mise à dénigrer ces gens auteurs de cet acte abominable. Puis le prophète s'est levé, il a levé ses mains et il a cité les 7 personnes qui étaient là en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de les détruire et de se venger d'eux. Les compagnons disent, par Allah, le jour de Badr, nous avons vu ces 7 hommes au sol, ils étaient vaincus. Qui sont ces 7 hommes? Le premier, Abu Jahl. Le deuxième, Utbah ibn Rabi'a. Le troisième, Shayba ibn Rabi'a. Le quatrième, Al-Walid ibn Utbah. Le cinquième, Umayyah ibn Khalaf. Le sixième, Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Le septième a été oublié par le rapporteur du hadith. Et donc, étant donné que on voit ici que des gens se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne se sont pas contentés de le dessiner. Ils ont pris un organe impur rempli de sang et l'ont posé sur son dos, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Mas'ud est debout. Il est là. Aujourd'hui, le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il est debout et il dit, je ne peux rien faire. Il ne fait rien. Donc on voit que défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre sa sunna et prendre en compte ce que eux ont pris en compte à leur époque. Ils étaient en position de faiblesse, ils ne peuvent rien faire, il ne faut rien, ils prennent le mal en patience. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, et on s'est moqué des messagers avant toi. Fahaqa bil ladhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Et ceux qui se moquaient de ces messagers ont reçu ce qui leur était promis, c'est-à-dire du châtiment. Et aujourd'hui, nous vivons une époque où tout le monde prétend défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, allant même jusqu'à faire des choses qui en réalité ne seront qu'un mal pur pour les musulmans et pour le regard que les gens auront de l'islam. Parmi ces choses-là, ce qui s'est passé cette semaine, n'est-ce pas? Des personnes ont dessiné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres parmi les musulmans, si toutefois c'est vrai, car on vit dans une époque où il y a tellement de mensonges et d'informations mensongères que nous, on se contente de suivre ce que le dîn nous dit. Mais dans le cas où c'est vrai, il y a des gens qui prétendent défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui en réalité n'ont rien comme connaissance, comme compréhension de la religion d'Allah Azza wa Jal. Si des musulmans commettent de tels actes
ils pensent qu'ils ont défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que lorsque tu as agi ainsi, et qu'après cet acte, les musulmans vont subir des pressions, des actes d'injustice, des femmes vont être agressées, frappées, des frères vont être dénigrés, des sœurs, des parents, des plus jeunes, on va dire à des gens, rentre dans ton pays, on va dire à d'autres, tu n'as pas ta place ici, etc., etc., etc. Est-ce que tu penses que tu as secouru ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam? N'est-ce pas que secourir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a lieu en suivant sa sunna? Tu veux suivre sa sunna? Tu es dans la même époque dans laquelle eux, ils étaient, dans la même étape dans laquelle eux, ils étaient. Ils étaient entourés de polythéistes. On s'est moqué d'eux, on ne s'est pas contenté de les dessiner. On a lancé sur son dos du sang, des impuretés. Le prophète reste prosterné, il ne se lève même pas. Et les compagnons sont présents et ils n'agissent pas. Pourquoi? Car ils prennent en compte les intérêts et les préjudices. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran que, selon le sens du verset, et n'insultez pas les divinités de ceux qui adorent autre qu'Allah, car ils insulteront Allah. C'est-à-dire, ils vont répondre en insultant Allah Azza wa Jalla. Les savants ont tiré de ce verset que la religion d'Allah nous demande de prendre en compte les intérêts et les préjudices. Il nous dit de ne pas insulter, lorsque ces gens-là sont là, de ne pas insulter leur divinité de peur qu'eux ne répondent en insultant Allah. Non pas parce que leurs divinités sont vraies, qu'elles méritent le respect, qu'il ne faut pas les insulter, mais parce qu'il y a un préjudice qui va venir après, il faut le prendre en compte. Et si le préjudice est plus grand que l'intérêt, alors on repousse le préjudice. Ces gens-là, vous pensez qu'ils ont appris ces règles de la religion d'Allah, Azza wa Jal? Les Khawarij, ils ne pensent qu'à commettre le mal et à faire couler le sang, suivant en cela leurs imams, comme Sayyid Qutb et autres parmi les prêcheurs, à l'égarement. Si bien qu'on a l'impression que ces gens-là se réunissent et ont comme sujet de réunion le titre suivant: comment allons-nous faire pour salir l'image de l'islam? Et puis ils font des réunions de 2 heures ou 3 heures et chacun va réfléchir comment détruire l'islam de l'intérieur, wal'iyadhu billah. Ensuite ces gens-là vont insulter les gens de la sunna, wal'iyadhu billah. Tout ceci à cause du manque de compréhension. Ceci était une parenthèse, mais elle avait toute son importance puisqu'elle était en relation avec ce que dit l'auteur, rahimahullah. وَدَعَا عَلَى ابْنِ أَبِي لَهَبْ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ السَّبُعْ بِالشَّامِ وِفْقَ دُعَائِهِ sallallahu alayhi wa sallam. De même, il invoquait Allah contre le fils d'Abu Lahab, qui conformément à l'invocation du messager sallallahu alayhi wa sallam, fut attaqué par un fauve dans la région du Sham. Et Allah Azza wa Jalla est plus savant au sujet de l'authenticité de cette histoire. وَرَمَا كُفَّارَ قُرَيْشِ يَوْمَ بَدْرٍ بِقَبْضَةٍ مِنْ حَصْبَى فَأَصَابَ كُلًّا مِنْهُمْ مِنْهَا شَيْءٍ وَهَزَمَهُمُ اللَّهِ وَكَذَلِكَ فَعَلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَوَاءً. Conséquence de l'invocation du messager d'Allah. Ah, j'ai sauté. وَدَعَ عَلَى سُرَاقَةٍ فَسَاخَتْ يَدَ فَرَسِهِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ دَعَ اللَّهَ فَأُطْلِقَتَ. Conséquence de l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les pattes du cheval de Suraqah s'enfoncèrent dans la terre. Puis, il invoqua Allah qui lui permit de se libérer. Vous vous souvenez de cette histoire pendant la hijra, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Mecca et se rend à Médine avec Abu Bakr. En route, Quraysh va dire à des gens: je donne 100 chameaux à celui qui rattrape Mohammed. Suraqah prend son cheval et va au galop à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sait qu'il arrive. Il invoque Allah contre lui et les pattes de son cheval s'enfoncent dans la terre.
Il sait que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a invoqué Allah contre lui. Il va voir le prophète et lui promet de retourner sur ses pas et d'abandonner ce qu'il a voulu faire. Le prophète alayhi salatu wa sallam invoque Allah et les pattes du cheval sortent de la terre et Suraqa s'en va. En outre, le jour de la bataille de Badr, il lança une poignée de sable au visage des mécréants dont chacun fut atteint. Puis Allah les mit en déroute. Il agira de la même manière le jour de la bataille de Hunayn. Effectivement, vous vous souvenez que le jour de la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramassé de la terre avec ses mains et l'a lancé sur le visage des ennemis d'Allah, azza wa jal, si bien qu'ils en ont perdu la vue, ils n'ont pas pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose qu'il a réitéré au cours de la bataille de Hunayn. Et c'est d'ailleurs ce dont Allah parle dans le verset وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, ce qui veut dire ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Et ceci, on vous en rappelait. وَأَعْطَى يَوْمَ بَدْرٍ لِعُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنْ جَذْلًا مِنْ حَطَبْ فَصَارَ فِي يَدِهِ سَيْفًا مَاضِيًا. Par ailleurs, le jour de la bataille de Badr toujours, il donna à Ukasha ibn Mihsan un morceau de bois qui se transforma dans sa main en un sabre tranchant. Ce fait qui a été cité ici n'est pas authentique en raison d'une coupure dans sa chaîne de transmission. وَأَخْبَرَ عَمَّهُ الْعَبَّاسِ وَهُوَ أَسِيرٌ بِمَا دَفَنَ هُوَ وَأُمُّ الْفَضْلِ مِنَ الْمَالِ تَحْتَ عَتَبَةِ بَابِهِمْ فَأَقَرَّ لَهُ بِذَلِكَ. Par ailleurs, il informa son oncle Al-Abbas, qui se trouvait parmi les captifs de la bataille de Badr, des biens qu'il avait, avec Umm al-Fadl, enterrés sous le seuil de leur porte. Al-Abbas ne put qu'admettre l'existence de ses biens. Le jour de la bataille de Badr, Al-Abbas, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des ennemis d'Allah. Il est dans les rangs de Quraysh. Mais avant d'aller dans cette bataille, il va prendre ses biens qu'il possède et il va les enterrer, il va les cacher. Puis, il va déclarer l'endroit de sa cachette à son épouse. Puis il s'en va. Seul lui et son épouse étaient au courant de l'endroit où ils avaient caché cet argent et ses biens. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a combattu les ennemis et a fait captif les ennemis pendant la bataille de Badr, les ennemis viennent. Le prophète va leur demander une rançon pour les libérer. Al-Abbas lui dit, je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien à donner. Le prophète sallallahu alayhi wassalam lui dit, et que dis-tu de ce que tu as caché à tel endroit avec ton épouse? Puis tu lui as dit, attention, on a caché l'argent à tel endroit. Al-Abbas, radiallahu anhu, n'a pu qu'admettre et il s'est soumis. Et donc c'est un signe de la prophétie du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. وَأَخْبَرَ عُمَيْرَ بْنَ وَهْبٍ بِمَا جَاءَ لَهُ مِنْ قَتْلِهِ مُعْتَذِرًا بِأَنَّهُ جَاءَ فِي فِدَاءِ أُسَارَ بَدَرٍ فَاعْتَرَفَ لَهُ بِذَلِكَ وَأَسْلَمَ مِنْ وَقْتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Dans les mêmes ordres d'idées, il informa Umayr ibn Wahb, qui prétendait être venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour verser la rançon des captifs de Badr, qu'il était en réalité venu le tuer. Ce que Umayr reconnut avant d'embrasser l'islam sur le champ. Vous vous souvenez de cette histoire? Umayr ibn Wahb, assis avec Safwan ibn Umayya près de la Kaaba. Umayr dit, si je n'avais pas les enfants, les dettes et les différentes charges, j'aurais été assassiné, Muhammad. Safwan lui dit, ah bon? Ce n'est qu'à cause de ce que tu as cité que tu ne peux pas te rendre à Médine pour le tuer? Oui, lui répond Umayr. Safwan lui dit, alors je me porte garant des charges que tu as et de ta famille. Umayr prend son épée, il se dirige vers Médine. Mais il ne sait pas que Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a raconté. Et lui a dit, Umayr arrive, il veut te tuer. Le prophète l'attend. Umayr arrive, Umar le voit de loin, radiyallahu anhu, et lui, il dit, l'ennemi d'Allah, allons le tuer.
Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit de le laisser se rapprocher. Il se rapproche. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: pourquoi es-tu venu? Omer lui dit: je suis venu discuter avec toi et négocier au sujet des captifs de la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wasallam lui dit: non, mais plutôt tu étais assis un jour en compagnie de Safwan ibn Umayya et tu lui as dit qu'à cause des charges que tu as et des enfants de ta famille que tu dois garder, tu ne peux pas venir me tuer à Médine. Puis il s'est porté garant et a pris la responsabilité de tes charges et tes enfants. Il t'a donné une épée et tu es venu, et aujourd'hui tu es venu parce que tu veux me tuer. Il s'est converti à l'islam sur le champ. Puis il est retourné à la Mecque, a informé les siens qu'il s'est converti à l'islam, et les siens lui ont témoigné l'inimitié et il a dû rencontrer des épreuves. Ensuite, Safwan ibn Umayya, radiyallahu anhu, se convertit à l'islam. Mais avant, c'est Umayr qui entre en islam. Vous venez de le voir. Safwan va prendre la fuite. Quand il va avoir la conquête de Mecca, il va se sauver et prendre la fuite. Qui est-ce qui va aller l'appeler à l'islam? Umayr. Il va aller le rejoindre et il va lui dire: viens avec moi, convertis-toi à l'islam, tu en as assez vu, tu as assez vu d'arguments, de preuves, viens dans cette religion. Au début, ils sont deux ennemis d'Allah et ils négocient entre eux comment aller tuer Muhammad. Et c'est Safwan qui envoie Umayr pour tuer Muhammad, alayhi salatu wassalam. Plus tard, c'est Umayr qui devient croyant et qui va aller chercher Safwan pour l'amener à l'islam. Allah guide qui il veut et égare qui il veut. ورد يوم أحد عين قتادة بن النعمان الظفري بعد أن سالت على خده وقيل بعدما صارت في يده فصارت أحسن عينيه فلم تكن تعرف من الأخرى. ابن كثير رحمه الله تعالى dit: en outre, le jour de la bataille de Uhud, il replaça dans son orbite l'œil de Qatada ibn Nu'man al-Zafari, qui tomba sur sa joue, ou dit-on, se retrouva dans sa main. Cet œil sera ensuite le plus beau de ses deux yeux, sans que l'on puisse voir, sans que l'on puisse savoir lequel de ses deux yeux avait été atteint. Vous vous souvenez de cette histoire? Est-ce qu'on en a parlé? Pendant la bataille de Uhud, un compagnon a perdu son œil. L'œil est sorti de son orbite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cet œil et l'a remis dans son orbite. Et cet œil est devenu meilleur que celui qui n'était pas sorti de son orbite. وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون ألفا من سخلة وصاع وشعير ببيت جابر. Par ailleurs, lors du creusement de la tranchée qui devait protéger Médine des coalisés, par la bénédiction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de l'orge, une chèvre et de l'orge suffirent à nourrir près de 10 000 hommes dans la maison de Jabir. Près de 1000 hommes dans la maison de Jabir. Vous vous souvenez de ce récit? Pendant la bataille de Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam va voir Jabir et lui dit: y a-t-il quelque chose chez toi à manger? Jabir lui dit: il nous reste une chèvre amaigrie et pauvre ou bien faible, quelque peu d'orge. Le prophète alayhi salatu wassalam appelle tous les gens de Uhud. Elle leur dit: Jabir vous invite. Et ils vont tous chez lui et ils mangent jusqu'à être rassasiés. Kama at'ama yawma idhin min nazrin yasirin min tamr faja'at bihi ibnatu Bashir. Il dit, rahimahullah, de même, à la même époque, il put nourrir les musulmans à partir d'une quantité infime de dattes apportée par la fille de Bashir. Allahu a'lam l'authenticité de cette histoire. Cependant, l'histoire en elle-même, c'est que ce compagnon Bashir, radiyallahu anhu, a donné à sa femme, a donné des dattes à sa fille. Elle a chargé d'aller les donner à son mari.
En route, le prophète la voit, sallallahu alayhi wa sallam, lui demande qu'est-ce que c'est. Et elle prend ses dates, il les met sur la paume de sa main. Il invoque Allah Azza wa Jal, puis il tend sa main, et les compagnons viennent et prennent des dates, les uns après les autres, et sa main reste, la quantité de dates dans la main reste la même. Allah est plus savant au sujet de l'authenticité du hadith, puisque certains ont dit qu'il y a une coupure dans la chaîne de transmission. وكذلك أطعم نحو الثمانين من طعام كادت توريه يده المكرمة. Et par l'effet de sa bénédiction également, de la nourriture que sa noble main pouvait presque contenir, fut suffisante pour nourrir près de 80 personnes. Et le hadith, par contre, il est rapporté, celui-ci, par l'imam البخاري رحمه الله تعالى وكذلك فعل يوم أصبح عروسا بزينب بنت جحش il en fit de même le matin de sa nuit de noces avec Zainab bint Jahsh. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim رحمه الله وأما يوم تبوك فكان أمرا هائلا أطعم الجيش وملأوا كل وعاء معهم من قدر ربضة العنز Quant à ce qu'il réalisa lors de l'expédition de Tabouk, cela fut tout simplement prodigieux. Il réussit à nourrir l'armée dont tous les sacs furent remplis, et ce à partir d'un tas de nourriture de la hauteur d'une chèvre agenouillée. Ici, on fait référence à ce qui s'est déroulé pendant la bataille de Tabouk. Vous vous souvenez combien étaient les soldats pendant la bataille de Tabouk ? 30 000. Ils étaient 30 000. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande de réunir les vivres qu'ils ont et la nourriture qu'ils possèdent sur une seule et même place. Ils étaient 30 000. Vous savez ce que c'est 30 000 personnes ? Malgré leur nombre grand, malgré leur grand nombre, qui est celui de 30 000 personnes, ils ont réuni toute la nourriture qu'il leur restait. Et cette quantité de nourriture ne dépassait pas la hauteur d'une chèvre agenouillée. D'une chèvre agenouillée. Le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a demandé la bénédiction. Puis ils sont tous revenus et chacun a pris une part de nourriture. Si bien que les 30 000 ont pris et il en restait. Subhanallah. Et ce hadith, il est authentique. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari et également par l'imam Muslim. وَأَعْطَى أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِزْوَدًا فَأَكَلَ مِنْهُ دَهْرَهُ وَجَهَّزَ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَيْئًا كَثِيرًا وَلَمْ يَزَلْ مَعَهُ إِلَى أَيَّامِ مَقْتَلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ À une autre occasion, il offrit à Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, un sac de provisions, dont il mangea une longue période, qui servit ensuite à la préparation des biens des expéditions, et qu'il conserva jusqu'à l'époque où Uthman radiallahu anhu fut assassiné. Allahu Akbar. أشياء في هذا النمط كثيرة يطول ذكرها مجردة وسنفرد ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة مصنفا على حدة. Il fut à l'origine de bien d'autres miracles de ce genre qu'il serait trop long de simplement mentionner ici, mais auxquels nous consacrerons, si Allah le veut, un ouvrage particulier. Et Allah Azza wa Jalla est plus savant. Est-ce qu'il a cet ouvrage ? En tout cas, ce n'est pas connu qu'Ibn Kathir rahimahullah a un ouvrage qui est dédié aux signes de la prophétie, même si il a pu parler des signes de la prophétie dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya, le début et la fin. وَدَعَ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا قُحِطُوا فَلَمْ يَنْزِلْ عَنِ الْمِنْبَرِ حَتَّى تَحَدَّرَ الْمَاءُ عَلَى لِحْيَتِهِ صلى الله عليه وسلم من سقف المسجد وقد كان قبله لا يرى في السماء سحابة ولا قزعة
ولا قدر الكف ثم لما استحصى لما استصحى لهم انجاب السحاب عن المدينة حتى صارت المدينة في مثل الإكليل. Par ailleurs, lorsque les musulmans furent touchés par la sécheresse, il implora Allah le Très-Haut sur le mimbar, dont il ne descendit pas avant que l'eau de pluie qui s'était infiltrée par le toit de la mosquée ne coule sur sa barbe. Son invocation avait été exaucée sur le champ. Or, avant cela, le ciel était totalement dégagé, ne laissant apparaître aucun nuage, pas même de la taille de la main. Puis, lorsqu'il invoqua Allah afin que le ciel s'éclaircisse, les nuages se dissipèrent, laissant Médine comme entourée d'un bandeau. Vous connaissez cette histoire ? Un vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce le discours. Quand soudainement entre dans la mosquée un bédouin venu du désert, il se plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: « Ô messager d'Allah, les mamelons sont devenus secs, c'est-à-dire les brebis ne produisent plus de lait. Pourquoi ? Parce qu'elles-mêmes ne peuvent plus manger. Il n'y a plus de verdure, on se plaint de la sécheresse. Invoque Allah qu'il nous fasse tomber la pluie. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lève ses mains en plein discours du vendredi. Il invoque Allah, les gouttes, jusqu'à ce que les nuages se rapprochent les uns des autres. En sachant que ce jour-là, il y avait le ciel bleu, il n'y avait pas de nuages. Les nuages se rapprochent les uns des autres, les gouttes commencent à tomber. Et alors, une averse qui commence à frapper sur la ville de Médine. Cette pluie a duré une semaine sans s'arrêter. Le prochain Jumu'ah, le bédouin entre dans la mosquée pendant la khutbah et dit au messager d'Allah: « Il y a trop d'eau et les bétails ont trop d'eau et les verdures se noient. Invoque Allah qu'il éloigne la pluie. » Le prophète alayhi salatu wassalam lève ses mains et dit: « Oh Allah, autour de nous, pas sur nous. » Et les nuages vont former un bandeau qui entoure Médine et la pluie s'arrête de tomber. Cette histoire, elle est connue. Elle est rapportée par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. وَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ لِيَتَوَضَّأَ بِهِ فَرَغِبَ إِلَيْهِ أَقْوَامٌ هُنَاكَ أَنْ يَتَوَضَّأُوا مَعَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ وقبل هذا وَدَعَ اللَّهَ عَلَى قُرَيْشٍ فَأَصَابَهُمْ مِنَ الْجَهْدِ مَا لَا يُعَبَّرُ عَنْهُ حَتَّى اسْتَرْحَمُوهُ فَعَطَفَ عَلَيْهِمْ فَأُفْرِجَ عَنْهُمْ. De même, il invoqua Allah contre les mécréants de Quraysh, qui souffrirent d'une famine indescriptible. Puis lorsqu'ils demandèrent miséricorde au nom des liens du sang qui les unissait, il les prit en pitié, ce qui mit un terme à leur calvaire. Et ce hadith, il est authentique, il est rapporté, par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah contre Quraysh. Une famine les a frappés. Plus de baraka, plus rien. Ils sont allés le supplier et le prophète alayhi salatu wa sallam a eu pitié d'eux et Allah tabaraka wa ta'ala a enlevé le mal qui les a touchés. وَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ لِيَتَوَضَّأَ بِهِ فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضأوا معه فوضع يده في ذلك الإناء فما وسعها ثم دعا الله فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. Ibn Kathir رحمه الله تعالى continue. Mais certains musulmans décidèrent un jour lui fut apporté un récipient d'eau pour ses ablutions. Mais certains musulmans désirèrent effectuer leur ablution avec lui à partir de ce même récipient. Il plaça alors sa main dans le récipient trop petit pour qu'il puisse y plonger la main et invoqua Allah. L'eau se mit à jaillir entre ses doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là,
voit ses compagnons qui veulent faire leurs ablutions à partir du même récipient utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ce récipient, il n'y a que peu d'eau, trop peu d'eau pour que tout le monde puisse faire ses ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va invoquer Allah, et le hadith est rapporté par Muslim et Al-Bukhari. Il va invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, puis il va tremper sa main dans ce récipient et il va la ressortir. Et entre ses doigts, qu'est-ce qui se passe? De l'eau sort comme une source, de l'eau jaillit. Subhanallah. Et les sahaba radiallahu anhu viennent et prennent de cette eau comme vous la prenez du robinet. Et chacun fait ses ablutions. Ibn Kathir rahimahullah a continué quelques exemples. On les lira au prochain cours, incha'Allah. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك